sapeurs-pompiers du Teche célébraient samedi la Sainte-Barbe. Après la traditionnelle cérémonie devant le monument aux morts, les professionnels, les volontaires, leurs familles et les élus se sont retrouvés pour dresser un bilan de l'année passée. L'occasion également de mettre certains d'entre eux à l'honneur avant de clôturer cette cérémonie dans la convivialité. Oui, tout à fait. Nous profitons de la célébration de la Sainte-Barbe pour mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers du centre de secours du Teche qui, tout au long de l'année, se rendent disponibles pour porter assistance aux personnes en détresse. Donc c'est toujours l'occasion de mettre en avant les gens qui se sont distingués, notamment par l'acquisition de nouvelles unités de valeur et de grades supérieurs en fonction de l'ancienneté qu'ils détiennent au sein des sapeurs-pompiers. Donc l'activité des sapeurs-pompiers du Teche a fait apparaître un nombre d'opérations de 761 demandes de secours qui ont été honorées, ce qui est un chiffre constant par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt une bonne chose pour les habitants du Teche. Néanmoins, les pompiers du Teche sont aussi intervenus sur les secteurs voisins pour prêter main forte aux collègues qui étaient un petit peu en difficulté, notamment lors des feux des cabanos réicoles sur Gujan-Mestras ou sur les feux de forêt sur la commune de Mios et de Salles au début du mois de septembre. Donc la Sainte-Barbe est aussi pour moi et le lieutenant Boudigue, donc l'encadrement du centre de secours du Teche, de remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de leur engagement, de leur disponibilité, sans qui nous ne pourrions malheureusement pas porter secours aux habitants du Teche. Donc merci à eux et continuez ainsi pour l'année prochaine. Alors la médaille que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est tout un honneur au bout de 30 ans d'activité. Bon, malheureusement, c'est la finalité aussi dans deux semaines, c'est de partir en retraite. Bon, c'est beaucoup de stress et bon, la vie est comme ça, il faut tourner la page. À un moment donné, il faut dire ben, stop et place aux jeunes. Voilà quoi. Mais ça a été une belle vie et j'ai appris beaucoup de choses. Ben, c'est mon premier grade, je suis super content. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et puis ça reflète l'investissement qu'on met avec les heures à porter, nuit et jour. Et puis voilà, donc voilà, je suis super content de recevoir ce grade et puis j'espère aller le plus loin possible. Voilà. Bonsoir, eh bien, écoutez, je suis très honoré, surtout que ça permet d'accéder à des fonctions supplémentaires, chef d'agré, de pouvoir évoluer dans sa carrière de sapeur-pompier volontaire, dans ses fonctions. Bah écoutez, voilà, c'est quoi de plus représentatif que ce qui est derrière moi, que de se retrouver entre collègues, famille, c'est la générosité, la convivialité, vraiment les valeurs qui incombent dans notre métier, que ce soit professionnel ou volontaire. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie de retrouver la vraie valeur et la famille des sapeurs-pompiers en général. C'est la suite logique un petit peu par rapport aux fonctions que l'on a. SAP 2, DIV 2, donc suite logique, sergent, voilà, c'est le grade suivant. Bah, une ambiance très conviviale, très sympa, on partage tous les mêmes compétences et les mêmes envies, donc on est content de se retrouver pour partager tout ça, quoi. Ben, c'est une vocation, donc si on a envie de faire ça, il faut s'investir d'abord à l'âge de 12 ans dans les JSP et poursuivre pour voir si ça nous plaît réellement, quoi. Voilà, donc je les encourage à suivre ce chemin, quoi.